sur cette nouvelle génération. J'espère que vous allez bien, ça va très très bien, c'est moi Méditerra. Or là, je refais une autre vidéo. Comme promis, je vous ai dit que demain, je vais faire une vidéo sur Finite, sur tous les Finite. Que hier, j'avais fait une vidéo avec Grimouille, je vous promets, chose due, je vous le fais. Or c'est parti, c'est plié sur un papier comme ça. Or là, je vais le déplier, je vais tout vous dire ce qui est marqué. Et après, je vous le dirai à la fin si vous ne comprenez pas les... Alors, il y a Fluff Hawk, j'ai là sur mon téléphone, avec quoi que je suis en train de filmer sur ma chaîne YouTube. Il existe aussi Fluff 2, Fluff 3, Fluff 4, Fluff 5, c'est un t-shirt que j'ai en t-shirt et en affiche. Il existe aussi Fluff 6, Pizzeria Simulator. Il existe Fluff World. Il existe aussi Freddy Fazbear Pizza. En fait, Freddy Fazbear Pizza, c'est aussi la pizzeria de FNAF. Des FNAF 1, voilà. Et c'est aussi un jeu. Voilà. Après, il existe Five Nights at Cordy's. Voilà. Il existe Five Nights at My Little Pony. Voilà. Il existe aussi Final Nights 4, ça veut dire la finale de la nuit 4 en tout. Il existe aussi The Joy of Creation, c'est un fan game, c'est-à-dire un fan du jeu Final Fantasy qui a créé son propre jeu. Après, il existe Five Nights at Treasure Island, avec Mickey, on dirait zombie, je sais pas. Il existe aussi Five Nights at Bikini Bottom, de Bob l'éponge, presque comme Mickey, quoi. Il existe aussi What Night and Flame Tay. C'est un œuf qui nous tue. Et aussi, il existe Toast Night at Rachel. Et en fait, il y a aussi dans Finance. Ah oui, il existe aussi Finance at Wario. Avec Mario, Wario ou Luigi. Et aussi dans Finance at Bikini Bottom, il existe aussi un autre. Il existe Five Nights. The Krusty Krab existe aussi. Five Nights at The Chum Bucket, ça fait partie de Five Nights at Bikini Bottom. Alors voilà. Alors là, je vous ai dit ça parce que je vais vous dire tous les Five Nights qui existent. Mais vraiment, il y en a plein. Alors là. La chronologie, vous la connaissez. Là, je vais vous faire montrer un papier et vous dire comment s'appelle Purple Guy. Parce qu'il est écrit sur ce papier. Voilà. Et voilà, bon. Alors, moi, j'ai déjà ouvert. Hein. Alors, c'est une phrase qui est en anglais. Alors, je vais vous la lire en anglais. Après, je vais vous la dire en français. Alors, c'est The Darkest Peep of Hell is Burning Forever. En français, ça veut dire les robots de l'enfer sont en train de brûler pour toujours. De FNAF Pizza 6 Pizza Simulator. Et apparemment, Purple Guy, en fait, on l'appelait Purple Guy parce qu'il est devenu violet après. Et il s'appelle Michael Afton. Voilà son nom de Purple Guy. Alors là, déjà, j'espère que cette vidéo déjà vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. Avant tout, abonnez-vous, très important. Partagez-la aussi, ça me ferait tellement plaisir. Mais là, j'insiste, vraiment, faisez-le. Abonnez-vous vraiment. Partagez-la sur les réseaux sociaux et partagez-la en même temps avec vos amis, votre famille, voilà. Et aussi, commentez-la. Parce que comme ça, vous m'écrivez dans les commentaires si elle vous a plu. Et si vous voulez que je fasse refasse une vidéo sur Final Freddy's ou sur d'autres jeux de gaming, et je reprends le gaming. Alors sur ce, je vous dis à demain à tous. Parce que demain, je vais refaire une autre vidéo de gaming. Et ça sera... Et je vais choisir le jeu, et peut-être ce sera pas
le même. Et demain, je vous dirai une annonce quand on jouera à ce jeu-là. Et bah, bye bye et à demain!